Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Olga Mbani. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un retrait sur P3P. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, surtout d'activer la clochette de notification pour ne pas manquer mes autres vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre compte P3P. Donc, moi, j'ai activé la double authentification pour des mesures de sécurité. Donc, pas la peine d'essayer de pirater mon compte. Donc voilà, je vais copier le Google Code. Je vais me connecter. Ajouter plus de lumière et enlever l'écran nocturne. Voilà. Ok, c'est mieux comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir là, quand vous êtes depuis votre téléphone mobile, voilà l'aperçu en fait d'écran que vous avez là avec votre téléphone. Donc vous pouvez voir que je suis à 84, 74% de reçu de mon investissement. Voilà. Daily bonus, les bonus journaliers, indication bonus, les bonus de parrainage. Voilà, on pouvait le voir là. Donc moi, je suis un investissement de 249 dollars. Donc c'est le baril que moi j'avais acheté. Donc mon contrat est actif et il me reste 562 dollars à gagner. Donc journalièrement, je gagne 3,74 dollars. Maintenant, on va procéder au retrait. On va procéder au retrait et on va procéder au retrait. Alors, on a besoin, comme vous le savez déjà, P3P, les retraits se font via Bitcoin. Les retraits se font via Bitcoin. Et pour ceux qui n'ont pas de wallet Bitcoin, c'est pas grave. C'est comme vous avez chargé votre compte, vous n'avez pas eu besoin forcément d'avoir un wallet. Donc, pour le retrait, vous n'en aurez pas forcément besoin parce que vous pouvez directement passer via moi. C'est-à-dire directement, je vous donnerai mon adresse, mon wallet, et vous initierez le retrait via mon wallet, la quantité de dollars reçue, et moi je vous payerai en mobile money, Western Union, ce qui vous arrangera. Donc voilà, vous venez là et on va aller dans le menu Financial Withdraw. Donc on va initier un retrait. Bon, je pense que je vais mettre en français pour tout le monde. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai à mon solde 184 dollars que je peux retirer. Oh, c'est pas vrai. Que je peux retirer. Donc, retrait. Voilà. Faire un nouveau retrait. Donc, vous pouvez voir en fonction du baril que vous aurez acheté, le minimum à retirer. Moi, en fonction de mon pack, le minimum à retirer est de 25 dollars et mon solde de retrait actuellement est de 184 dollars. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de mettre le montant que je vais retirer. Moi, je vais mettre 180 dollars. Je ne sais pas à combien c'est les frais de retrait. Donc, je vais mettre 180. Et j'ai déjà mon portefeuille déjà préenregistré. Donc, je fais faire maintenant. Donc, je valide. Donc, comme vous pouvez le voir, mon retrait a été initié. Donc, on attend juste la confirmation tout à l'heure. Alors, donc après avoir initié la demande de retrait, donc vous voyez en statut là, vous pouvez voir en statut pending confirmation on email. Donc, pour valider la demande de retrait, vous allez vous rendre dans vos emails, donc dans votre boîte email, c'est-à-dire la boîte que vous avez utilisée pour ouvrir votre compte. Voilà, je vais me rendre dans mes emails pour ouvrir le mail de P3P. Vous voyez ici P3P Withdraw Confirmation. Donc vous avez demandé
un retrait. Donc, je vous recommande de cliquer sur le lien ci-dessous. Voyez, cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer votre demande de retrait. Voilà. Voilà. Et dès que c'est fait, voyez, la demande de retrait a été confirmée. Et donc là, ça passe en statut tout simplement pending, donc en attente. Et d'ici quelques minutes, vous voyez les taxes, c'est 18 $ les frais de retrait. Donc les 10% de ce que vous retirez. Voilà, je reçois par Bitcoin. Et voilà. Donc d'ici quelques minutes, je vais recevoir le maximum. C'est 3 heures d'attente hein, au maxi pour recevoir votre paiement. Alors les amis. Voilà, juste pour montrer la preuve de réception de mon paiement P3P que voici. Vous voyez là, j'ai reçu 159,17 $. Ça, c'est parce que la fluctuation, parce que normalement, j'ai initié un retrait de 180 $ moins les 18 $. Vous allez voir ici, normalement, en confirmant, vous allez voir que le statut. Vous allez voir le statut ici, il est complete, voyez. Statut complete, taxe 18 $. Alors qu'on enlève 18 $ sur les 180, on est dans les 162 $. Et ici, je reçois 159 $ parce qu'il y a les frais de blockchain qui s'appliquent, car ils envoient en priorité pour qu'on le reçoive rapidement. Donc, vous pouvez voir que oui, j'ai effectivement reçu mon retrait P3P. Regardez bien la date et l'heure, 12h53, voilà. Donc, c'est un maximum d'une heure de temps pour recevoir l'argent au Bitcoin dans votre wallet. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas quand vous voulez faire le retrait, contactez-moi. Je vais vous payer par Orange Money, MoneyGram ou Moba Money, comme ça vous arrangera. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.